Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi de vous parler de la vie de Seydati en islam, la femme en islam. L'année dernière, j'ai parlé de Na Khadija. Nous avons parlé aussi de Na Aïcha. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Na Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima est la plus jeune fille de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et de Na Khadija, son épouse. La quatrième fille qui vient après Zainab, Rokaya et Kulthum. Elle est née à la Mecque avant la révélation, le vendredi 20 de Jumana al-Akira. Sa naissance a coïncidé avec la reconstruction de la Kaaba, le jour même où les Qurayshites ont choisi son père pour la pose de la première pierre noire. C'était comme un présage annonciateur d'un avenir radieux pour le nouveau-né. Na Fatima worolo kela tromasere leye. Kate tromasere ya dunya tre benakenya ma o tromasere. Elle est aussi la seule fille qui va perpétuer la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ses trois garçons sont morts en bas âge. C'est dans ce sens que sa naissance a une signification initiatique d'une grande importance en islam. Donc, au yora la fana, ma foko na Fatima loyro kabosi la mayako. Donc, allez les fanani ben à Angundi Mamadou sallallahu alayhi wa sallam, modinke kadiama. Donc, Fatima ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que tous les autres enfants. Comme en témoigne Aïcha qui disait : je n'ai jamais vu une créature de Dieu qui ressemblait autant au prophète, au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon de s'asseoir, dans sa façon de parler. Ainsi donc, elle était la préférée de son père. Et son père la considérait, selon ses propres dires, comme une partie de lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Fatima était la chair de sa chair. Qu'il aime celui qui aime Fatima et il déteste celui qui déteste Fatima. C'est pourquoi il l'a surnommée Azahara, qui veut dire la fleur qui a une bonne odeur. Alors, Fatima, en retour, rendait bien l'amour que son père ressentait pour elle. Elle se montrait attendrissante, affectueuse, comme le ferait une mère à son propre enfant. C'est pourquoi aussi, on la surnommait la mère de son père, parce qu'elle se comportait comme une mère vis-à-vis de son père. Par rapport au grand amour qu'elle portait à son père. Fatima était une femme pieuse qui aimait beaucoup prier, qui n'accordait aucune importance aux choses matérielles, aux choses ici-bas. Elle avait une noblesse de caractère. Et cette noblesse de caractère venait de sa descendance, parce que elle descend de personnes nobles telles que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et sa mère Na Khadija. Et elle est sortie d'une lignée pure, d'une lignée noble. Donc Fatima descend de l'élite de la tribu de Quraysh. Elle a vécu une enfance heureuse. Fatima a eu la faveur d'avoir pour père comme envoyé de Dieu.
et aussi une mère qui était réputée pour son immense amour qu'elle portait à son mari. Là aussi, je vais devoir m'arrêter un tout petit peu pour m'adresser à nos sœurs. C'est très important pour nous les femmes de respecter le mariage. Na Khadija était une épouse qui a été Furula Batomso. Donc Anyangija, Anfanaike, Anye Boala, Anye Na Khadija, Taramanyake. Qu'on ressemble un peu à Na Khadija, qu'on fasse comme Na Khadija. Anye Furula Bato. Et parce que Furukono, j'ai ta rôle B, Mousso ta rôle B. Et ni kayoko frube bato, moussole ni frube baraka, moussole fana. Donc, en messe yere kafo, ka frufo, kafoko, premier ministre, oye tchaye, ministre de l'économie, ministre des finances, ministre de budget, obeye moussole bon. Voilà. Donc, moussole, vous avez tous les portefeuilles. Donc, kopeya, anou yere le bourou. Donc, anyan djidja, anye frou la bato. Anya fouye sabati, andeye baraka, andeye korota. Il y a une sourate du Coran qui dit que Adam, fais attention, ne suis pas Iblis, le shaitan, parce qu'il va te sortir du paradis et tu vas devoir assumer tout. Tu vas devoir trouver le toit pour ta femme et tes enfants et toi-même. Tu vas devoir trouver des vêtements, tu vas devoir trouver de la nourriture. Donc fais attention. Et cette sourate nous dit, c'est le verset du verset 117 au verset 119. Je vais dire. Alors, nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. En parlant du shaitan, prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni seras frappé par l'ardeur du soleil. Donc, si tu ne fais pas gaffe, si tu sors de ce paradis, tu vas devoir affronter tout ça. Donc, c'était Iblis qui était en train de tenter Adam. Ce qui veut dire que si tu sors de ce paradis, tu vas devoir assumer toutes les tâches. Mais quant à nous les femmes, nous avons aussi nos tâches. Nous devons faire la cuisine, éduquer les enfants, etc. Donc, quand une femme respecte le mariage, les enfants issus de ce mariage sont des barakadés. Allahu Akbar. Alors, Fatima fit ses premiers pas dans la vie jusqu'à l'âge de 5 ans dans cette ambiance familiale remplie de beaucoup d'affection, de bonté, de miséricorde. Ses parents et ses trois sœurs, notamment Zainab, l'aînée, lui ont apporté tous les soins attentifs dont elle avait besoin. Mais malgré tout, elle a eu à faire face à des épreuves de la vie. Parce qu'elle était beaucoup attachée à son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, elle a vécu tout ce que son père a vécu. Donc, toutes les épreuves que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversées, Fatima les a traversées aussi, depuis l'âge de 5 ans. Donc, Fatima devrait, malgré elle, affronter les dures révoltes soulevées par les mécréants contre la nouvelle religion qui était l'islam. Fatima, donc Benjamin de la famille, elle était la plus jeune. Fatima avait le privilège d'accompagner son père dans ses sorties dans la Mecque pour visiter la Kaaba. Alors, sa première épreuve était de voir son père bouleversé en revenant de la grotte de Hira, où il observait souvent des retraites spirituelles qui duraient des jours et des semaines. Il venait de recevoir pour la première fois la révélation divine apportée par l'ange Gabriel. Et ce jour-là, il a tremblé, il a eu peur, il a eu froid. Et ce jour-là, c'est Na Khadija, sa femme, qui l'a soutenu. Fatima, depuis 5 ans, elle a vu ça, elle aussi, elle s'est retirée dans un petit coin, elle a pris peur, elle a eu peur aussi de tout ce qui se passait autour d'elle. Une petite fille, elle ne comprenait pas trop. Donc sa deuxième épreuve, Abu Lahab, Amoudri Mamadou Salallahu Alayhi Wasallam Ben Roche et son épouse Oum Jamil ont voulu toucher le prophète dans ce qu'il a de plus cher. Ils ont demandé aux gens du prophète Salallahu Alayhi Wasallam de répudier ses deux filles, Rukaya et Oum Kulthoum.
qu'ils ont exigé que le mari de Zeynab la divorce, se sépare d'elle. Mais celui-ci refusa. Donc tout ceci a bouleversé Fatima parce qu'elle aimait beaucoup ses sœurs. Mais ces épreuves n'ont fait que la rapprocher davantage ses sœurs de ses parents. Sa troisième épreuve, Fatima était présente lorsque Oukouba, un des Quraysh, portant dans un sac des entrailles d'un mouton et le jeta sur le dos de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam au moment où il devrait se prosterner pour faire sa prière. Donc Fatima est venue avec fougue, elle a ramassé toute cette saleté, elle a bien nettoyé son père. Quatrième épreuve, Fatima était avec son père lorsqu'il faisait la tawaf autour de la Kaaba. Une foule de Quraychites mécréants le saisirent et voulurent l'étrangler. Et Fatima cria et appela Abou Bakr Siddiq au secours qui a réussi à libérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième épreuve, sans oublier les méchancetés d'Abou Lahab et de son épouse qui lui jetait des pierres et mettait des épines sur son passage et devant sa maison. Alors la sixième et la plus grande épreuve, et c'est au moment où les Quraychites ont décrété un embargo contre les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur demandant de se retrancher dans la vallée, de sortir de la ville complètement. Ils ont eu beaucoup de souffrances et ainsi Abu Talib, qui était tous deux des soutiens de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. Et c'est là aussi où Nakadija aussi est décédée à la suite de ses souffrances. Alors, vu l'hostilité grandissante des infidèles de Quraychites, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses fidèles de partir en Abyssinie, c'est l'actuelle Éthiopie, pour pouvoir bénéficier de la protection du roi qui était réputé par sa tolérance et sa gentillesse et sa justesse. Au bout des 13 années d'épreuves douloureuses qui marquèrent la vie de prédication prophétique à la Mecque, l'islam s'installait de mieux en mieux depuis l'émigration. Donc les choses ont commencé à se calmer, donc l'islam s'est installé. Donc la première femme à prononcer la shahada fut Nakadija. Le premier homme à le prononcer fut Abou Bakr Siddiq. Le premier jeune à prononcer fut Ali. Alors Fatima va encore connaître d'autres malheurs, tels que la mort de ses sœurs qu'elle aimait beaucoup, Rukaya, Zeynab et Umm Kulthoum. Depuis l'installation des premiers musulmans à Médine, les épreuves ont commencé à ralentir, à diminuer pour Fatima, qui vivait toujours auprès de son père. Donc on voit bien que l'histoire se suit avec son père toujours. Quand ça se calme du côté du père, la fille aussi a moins d'épreuves. Donc les épreuves font partie intégrante de la vie de tout un chacun. Nous devons être forts et nous devons affronter les épreuves avec la foi. La foi doit être au-dessus de tout. Et des fois, Dieu peut tester la foi d'un individu en lui mettant une épreuve. Donc, il faut renforcer la foi, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours prier. Et les épreuves de la vie, on va les surmonter. Alors, le mariage de Fatima avec Ali était un mariage heureux et plein de promesses. Fatima, vers 18 ans, elle a reçu 3 propositions de mariage. Abou Bakr Siddiq, Omar Ibn Al-Khattab et Abdurrahman Ibn Auf. Son père leur a répondu, si Dieu le veut. Et ensuite, Ali, le fils de Abu Talib, qui est le cousin du prophète, est venu demander la main de Fatima. Et Dieu l'a accepté. Pour payer sa dot, Ali n'avait pas beaucoup de moyens. Il est parti vendre son bouclier. Donc Ali a vendu son bouclier pour venir payer la dot. Il a vendu le bouclier à une personne qui est venue lui retourner le bouclier comme cadeau de mariage. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a offert comme cadeau une natte, un coussin, une marmite, une outre et une meule. Et là, c'est un mariage simple. Dieu a dit que tout mariage qui est simple, c'est un mariage qui est béni. Je vais citer l'exemple d'une étudiante aussi qui a exigé de son fiancé, de son mari, qu'elle veut une
mate comme lit pour pouvoir dormir le jour de noces avec son mari. Est-ce que mon fiancé a dit, mais j'ai des moyens, je peux acheter mieux que ça? Elle a dit non. Est-ce que toi, tu es mieux que Ali, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que moi, je suis mieux que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Ali, il a dit non. Donc, il a accepté de donner la natte. Donc, je sensibilise aussi nos sœurs qu'on facilite le mariage, qu'on fasse des mariages simples, c'est pas la peine de trop dépenser. Mais ce que le mari lui-même, donne à sa femme, à sa fiancée, au yéwajibiyé, avec ce qu'on est à comme cadeau. Mais il ne faut pas exiger trop de choses. Ce n'est pas bon dans le Coran. Allahu Akbar. Donc Ali et Fatima ont eu 4 enfants, 2 garçons, El Hassan et El Hussein, que Dieu les agrée, et 2 filles, Zainab et Umm Kulthoum. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, aimait beaucoup les enfants de Fatima, El Hassan et El Hussein. Et quand il invoquait Dieu, il disait, oh mon Dieu, je les aime. Aime-les et aime tous ceux qui les aiment. Il les amenait à la mosquée, il jouait avec eux. Il faisait tout avec ses petits-fils. Et je peux même donner l'exemple d'un jour où il était en soujoud à la mosquée. Et il y a un des jumeaux qui est venu monter sur son dos, jouer. Et il est resté longtemps, longtemps, longtemps dans le soujoud. Jusqu'à ce que le garçon lui-même descende et qu'il se relève. Et à la fin de la prière, les fidèles sont venus lui poser la question. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, je ne voulais pas déranger mon petit-fils qui jouait dans mon dos. Donc, les épreuves ont continué. Elle a eu aussi des épreuves dans le mariage. Fatima était la seule parmi ses sœurs à ne pas épouser un homme riche. Son mari était pauvre. Son mari faisait du bricolage. Il était peintre et il était porteur d'eau. Et Fatima, elle était broyeuse de céréales. Donc, un jour, Fatima était fatiguée. Elle était très épuisée par les travaux ménagers. Donc, elle a vu son mari Ali et elle lui a dit, je suis très épuisée à cause des durs travaux que j'effectue, que j'ai même des cloques dans la main. Donc, et qu'elle avait mal à la poitrine, elle avait mal au dos, tellement elle avait pilé. Alors, Ali lui a dit, tu vois bien que je suis pauvre, donc il faut aller voir ton papa, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il te donne une servante. Donc, Fatima est allée voir le père. Et en arrivant, elle n'a pas pu parler. Elle est retournée chez son mari. Et son mari lui a demandé, alors, qu'a répondu le papa? Elle a dit, tu n'as pas osé dire quoi que ce soit à mon père. Et son mari Ali lui dit, allons-y ensemble, tous les deux, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont retournés le voir et Fatima a évoqué le sujet. J'ai besoin d'une servante pour m'aider dans les travaux ménagers. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « Ya Fatima, comment veux-tu que à toi je te donne une servante et ignorer les autres musulmans ?» Et comment les autres musulmans vont faire ? Ils sont dit d'accord. Mais je vais vous donner un conseil. Vous récitez 33 fois Subhanallah, le tasbih, 33 fois Alhamdulillah, le tamid, 33 fois Allahu Akbar, le takbir. Après chaque prière, et avant de vous coucher la nuit, et cela va vous aider à faire face à vos tâches. Takbir. Ça, c'est un conseil aussi que je peux donner à mes chers frères et sœurs musulmans dans cette salle. Faisons comme ça. Si nous avons des durs travaux, nous les femmes, nous avons en majorité, nous sommes des femmes de ménage. On en fait beaucoup, on est fatigué, on a mal au dos, on a mal à la poitrine, on a mal aux genoux. Il faut invoquer Dieu, il faut prier Dieu, il faut réciter beaucoup, il faut faire beaucoup de zikr. Dieu, il va nous aider. Inch'Allah. Tous les musulmans pauvres, se sont réunis une fois. Ils sont allés trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Ya Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous les musulmans pauvres,
nous sommes lésés quelque part. On fait la prière, les riches font la prière, on fait le jeûne, le ramadan, les riches font le ramadan. Mais nous, on n'a pas de moyens, on ne peut pas aller à la Mecque, on ne peut pas faire des sacrifices, des zakat, parce qu'on n'a pas de moyens. Alors, comment nous on fait alors? Où sont nos mérites? Le prophète a dit, bon, salallahu alayhi wa sallam, vous, je vais vous conseiller, vous faites après chaque prière, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdoulilah, 33 fois Allahu Akbar, vous aurez les mêmes mérites que les riches. Alors, les pauvres se sont dit, de bouche à oreille, ils ont pratiqué, et c'est arrivé dans les oreilles des riches. Les riches aussi ont pratiqué. Alors, les pauvres se sont réunis encore, ils sont revenus trouver le prophète, salallahu alayhi wa sallam, ya Rasoul. Alors, le secret que tu nous as donné, le secret est parti chez les riches. Maintenant, en plus de tout ce qu'ils ont comme mérite, ils ont pris encore ça encore comme mérite. Ah, là, le prophète a souri. Je reviens à Anna Fatima, lors d'une causerie avec son père. Son père a remarqué qu'elle avait dépéri. Alors, son père lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Elle, lors d'une causerie avec son mari, elle avait placé des mots déplacés à l'endroit de son mari. Et elle a vu que son mari était fâché. Elle a demandé pardon, son mari n'a pas répondu. Elle a demandé pardon 70 fois. Au 70e pardon, que son mari lui a fait un sourire. Donc, son mari l'a pardonné. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu que Fatima avait perdu du poids. Il lui a demandé ce qui se passait, donc elle lui a raconté. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Anna Fatima que trois fois la question, est-ce que ton mari Ali, il t'a pardonné? Elle dit oui, il m'a pardonné. Une fois, deux fois, est-ce qu'il t'a pardonné? Il m'a pardonné deux fois. Est-ce qu'il t'a pardonné? Il m'a pardonné trois fois. Que tu as la chance, il t'a pardonné. S'il ne t'avait pas pardonné, si tu mourais dans cette période, moi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je n'allais pas prier sur ton corps. Que tu n'allais même pas voir la porte du paradis, à plus forte raison, entrer dans le paradis. Le pardon, c'est très important en islam, même dans la vie, en communauté, en société. Le pardon, c'est très important. Le pardon, la patience, notamment chez nous, les femmes, il faut pardonner. Nous, on demande à Dieu de nous pardonner et nous devons pardonner à nos prochains. On doit toujours demander pardon entre nous. On doit se pardonner entre nous. Et là aussi, même l'année dernière, j'ai utilisé la sourate de Wal Asr. Je reviens là-dessus parce qu'il faut toujours se parler du pardon. Wal Asr parle le temps. Inna lisana la fikousa. Certes, l'homme est en perdition. Il a les ina amanu wa aminu soali ati wa tawassobir aki wa tawassobir sabre. À l'exception de ceux qui croient, de ceux qui accomplissent des œuvres de bien, ceux qui font du bien, de ceux qui s'encouragent mutuellement à la vérité et de ceux qui s'encouragent mutuellement à la patience et à la persévérance. C'est très important, le troisième verset de cette sourate. Ce troisième verset est récité 40 fois dans le Coran, parce que c'est très important. Donc c'est là aussi, je vais dire, Ayan Sabari, surtout Anou et le Parimusko, Ayan Sabari, Anfou Tcheikoro, Ayan Sabari, ni Ambadi Sonjala, Kana Anso, Nara Sonjaye, Angana Sonja. Angana Kumanumfo, Anya Tsulaji, Anya Kumanumfo, Kalape, Anya Kolape, Angana Botia. Qu'on se pardonne, qu'on s'encourage mutuellement vers la vérité. Et le mot pardon est aussi un nom de Dieu. C'est le 99e nom de Dieu. 99e nom de Dieu, Asabou. Donc, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, Fatima lui a rendu visite. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quelque chose à l'oreille. Elle a pleuré abondamment. Donc, quand le prophète a vu sallallahu alayhi wa sallam que sa fille était triste, il a rappelé encore, viens ici à Fatima. Il lui a parlé quelque chose encore à l'oreille. Là, elle a beaucoup rigolé. Voilà, là, il était content. En Fatima n'a pas dévoilé ce secret. C'est plus tard, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté le monde,
après son décès, qu'elle a dévoilé ce secret-là. Et Aïcha lui a demandé, mais ton père t'avait parlé un jour à l'oreille, t'avais pleuré, après tu as rigolé. Alors, dis-nous maintenant que c'était quoi. Alors, elle a dit que mon père m'avait dit la première fois à l'oreille qu'il allait mourir bientôt. Et après, quand il a vu que j'ai beaucoup pleuré, il m'a appelé pour me dire, « Oh Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la reine des croyantes ?» Là, elle a ri et elle lui a dit que tu seras celle qui va me suivre assez rapidement. Donc Fatima est la reine des femmes habitant le paradis. Que Dieu nous accorde le paradis. Amen. Il a dit aussi que les meilleures femmes au monde sont au nombre de quatre. La Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Assia, la femme de Pharaon. Nakadija, la mère des croyants. Et Fatima, la fille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous les femmes, nous devons tout faire pour ressembler à ces quatre femmes. Faisons tout, Inch'Allah, pour être dans le paradis avec ces femmes. Donc Fatima a beaucoup pleuré la disparition de son père. Elle est tombée malade quelques temps plus tard et elle est morte 6 mois après son père. Elle avait 28 ans. C'est l'épouse d'Abou Bakr et son mari Ali qui ont fait sa toilette mortuaire, qui Allah soit satisfait de Fatima. Amen. Elle fut enterrée comme elle avait demandé, la nuit même de sa mort, dans le cimetière des femmes à Médine. Que Dieu soit satisfait de Fatima. Amen. Qu'Allah nous facilite son adoration. Amen. Comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous accorde les 50% de ce bas monde pour assurer les 50% de l'au-delà. Amen. Que la grâce de Allah soit sur nous tous. Oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim. Répands tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Amen. Comme tu as répandu tes bénédictions sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim. Dans les mondes, tu es vraiment digne de louange et gloire à Allah. Amen. La vie sexuelle du couple en islam. C'est pour échanger sur ce thème que l'Union musulmane des associations et ONG féminines de Côte d'Ivoire, UMA aussi, a donné rendez-vous à ses invités samedi 4 janvier 2014. L'imam Konaté était le conférencier du jour. Avant son exposé, la présidente de l'Union musulmane des associations et ONG féminines de Côte d'Ivoire a situé l'auditoire sur l'intérêt du sujet, en indiquant que la vie sexuelle du couple musulman d'aujourd'hui ressemble à une misère sexuelle, voire un viol légal. Car, selon la présidente, dans beaucoup de couples, la vie sexuelle est devenue l'affaire d'une seule personne. Une vie sexuelle déséquilibrée, voilà l'un des principaux maux dont souffre notre communauté. Très souvent, les problèmes conjugaux ont pour origine des problèmes dans les rapports intimes du couple. Hélas, souvent, nous oublions que notre cheminement en islam est une suite croissante vers la recherche de la perfection. Et que cette recherche devrait se faire à tous les niveaux et à chaque instant de notre vie. La recherche de l'épanouissement sexuel est une recherche d'harmonie, de symbiose des corps, des âmes et des cœurs que le couple doit entreprendre à force de communication, d'échange et de patience. Pour nous éclairer et répondre à nos préoccupations, nous avons fait appel à un éminent professeur, à un guide qui ne ménage pas son temps pour diffuser partout où besoin se fait la parole de Allah. Éminence Cheikh Malik Konaté, merci pour les leçons d'humilité, de patience et de disponibilité au service de la communauté d'Allah Tout-Puissant. Soyez-en récompensés. Éminent Cheikh Al-Aïman, vous avez éveillé pendant des années nos consciences. Aujourd'hui, vos filles que nous sommes
vous disons merci. Merci pour le cheminement, l'accompagnement, les conseils et le partage de l'héritage que nous a légué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah, dans sa magnificence, vous garde longtemps près de nous. Rebondissant sur cette ouverture de la présidente, le conférencier Cheikh Malik Konaté, s'inspirant du Saint-Coran et des Hadiths, a indiqué que la vie sexuelle du musulman est basée sur le dialogue et la communication permanente dans le couple. Et le conférencier de rappeler que dans le couple, chacun des partenaires doit se soucier de l'épanouissement sexuel de l'autre. Invité à cette conférence, le Cheikh Aïma Bouakari Fofana a clos cette rencontre avec des conseils et des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, ses dirigeants et tous ceux qui habitent ce pays. La meilleure façon d'être avec sa femme lorsqu'on est marié, lorsqu'on est dans la chambre, c'est de cesser d'être marabout et être plutôt un voyou. Que Dieu nous aide. Amen. Allah pour ta nyefe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jeudi 9 janvier, quelques jours avant le Mauloud, Touré Nabi Issouf, le président de la fondation Adjana Bintou Sissé a fait un important don de natte de prière aux différentes mosquées de Sorobango dans la région de Bondoukou. Des dons réceptionnés par le député Ahmed Ouattara, le président de la fondation a profité de cette cérémonie pour demander aux imams de prier pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants, sans oublier les illustres disparus. Dimanche 13 janvier 2014, c'est la nuit du Mauloud. Nous sommes le lundi matin et les fidèles musulmans du quartier PK18 de la commune d'Abobo sont vêtus de leur plus beau boubou. Ils se sont retrouvés à la mosquée Vakamori Doumbia pour célébrer la naissance du prophète. Les fidèles ont écouté de manière attentive les prêches des hommes de Dieu. Ces derniers ont particulièrement mis l'accent sur l'importance de cette nuit. Ensuite, ils ont émis des vœux de bonheur, de prospérité en direction de la population en général, et en particulier celle de PK18 pour la nouvelle année. Par la suite, l'imam Doumbia a remercié de sa présence cette population et a fait des bénédictions, sans oublier le chef de l'État. Il a aussi prêché la fraternité, le pardon et la réconciliation, des vertus cardinales qui devraient guider nos actions quotidiennes. Un lundi du mois de Rabiul Awwal de l'an 570 de l'Hégire naquit dans la péninsule arabique un illustre homme. Un homme qui a marqué son temps, un homme dont les enseignements continuent de transcender les époques. C'est cet homme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, qui a retenu toutes les attentions ce mois-ci. Et pour cause, la commémoration de sa naissance. Cela a servi pour prétexte à l'imam Ismaël Ramadan de la communauté musulmane de Belleville-Marché, le dimanche 12 janvier dernier, d'exhorter ses fidèles à faire sienne les richissimes valeurs que le prophète a laissées, notamment l'honnêteté, la probité morale, bref, le strict attachement aux valeurs morales cardinales. Ainsi, l'imam Ismaël Ramadan les a-t-il invités au pardon, à l'amour du prochain, au don de soi pour les causes justes, à lutter corps et âme dans le sentier divin, car dira-t-il en substance, une goutte de sueur pour Dieu équivaut à un océan de bénédiction.
Le parrain de la cérémonie, le ministre El-Hadj Sidiki Konaté, ne dira pas le contraire. La grandeur du prophète Mohammed justifie qu'on lui rende hommage pour ses enseignements et sa sagesse légendaire. Dans le recueillement, la quiétude et la prière, cette cérémonie de Maoulid a enregistré plusieurs centaines de fidèles venus écouter la pieuse, riche et héroïque vie du prophète d'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs, on nous a posé la question à savoir quel est le sens d'une prière mortuaire. Chers frères et sœurs, une prière mortuaire se fait après le décès de quelqu'un, après qu'il soit rappelé à Allah. Mais cette prière a pour objectif le repos de l'âme de celui qui décède. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé que lorsque vous perdez un parent, vous devez faire des sacrifices pour son repos de l'âme. Vous devez aussi faire la lecture du Coran. Vous devez faire aussi des prières surrogatoires pour son repos de l'âme et aussi des jeûnes surrogatoires pour qu'il repose en paix. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais demander à l'ensemble de la communauté musulmane de penser à nos défunts avec du travail pour que nos défunts puissent reposer en paix et dans la miséricorde de Dieu auprès de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, Dieu seul sait combien de fois chacun de nous a perdu quelqu'un. Si ce n'est pas le père, c'est la mère, ou c'est l'épouse, ou c'est l'époux, ou c'est les enfants. Pour que ces âmes reposent en paix, Dieu nous demande et le prophète nous conseille de faire ce genre de travail pour le repos de l'âme. Que Dieu nous aide à faire ce genre de travail pour le repos de l'âme de nos défunts. Je vous remercie. Greffe d'organes, euthanasie et clonage, le point de vue de l'islam. C'est le livre que nous allons découvrir aujourd'hui. Ce livre qui a été publié par Mohsin Ibrahim parle des greffes d'organes, parle des expérimentations animales. Et l'objectif qui est visé dans ces greffes, c'est d'atteindre l'amélioration de la qualité de la vie des patients. Mais quel est le point de vue de l'islam sur ces questions? C'est ce que je vous invite à découvrir ici. Je vais prendre la question de l'euthanasie. C'est une question qui fait florès en France, c'est une question d'actualité et qui pose le problème de la sacralité de la vie. Est-ce qu'il est permis à un musulman dont le parent souffre d'une maladie qui est dans sa phase terminale? Je prends l'exemple du foie, par exemple. Supposons que l'architecture du foie se soit totalement désintégrée ou que ses reins soient totalement détruits. Est-ce qu'il est permis au parent de ce malade de courter sa souffrance si c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, en lui faisant prendre, par exemple, une forte dose de barbiturique, ou bien s'il était maintenu en vie par des appareils, est-ce qu'on peut les débrancher? Vous savez que c'est un débat d'actualité. J'invite les musulmans ivoiriens à prendre leur place dans ce débat d'actualité sur la question de l'euthanasie, sur la question du clonage, sur la question des greffes d'organes. Il y a des années, on parlait d'eugénisme médical ou d'amélioration de la qualité du genre humain, de la race humaine. Est-ce que c'est possible que des musulmans participent à ce genre d'opération? C'est ce que je vous invite à découvrir dans Greffes d'organes,
Euthanasie et clonage, le point de vue de l'islam. C'est un ouvrage qui a été publié par Mohsin Ibrahim et c'est un ouvrage d'actualité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة صدق الله العظيم. La salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien plus importante qu'on ne l'imagine. Elle a des vertus qui luttent contre l'oubli. Elle permet aux fidèles qui la récitent fréquemment de se rappeler des choses qu'il a oubliées. Elle le préserve également de la dureté du cœur ou de l'abandon d'invoquer le Seigneur. Enfin, elle lui rapporte la bénédiction dans ses œuvres, dans sa vie et dans ses différentes affaires. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, François-Marie Arouet dit Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris, où il mourut le 30 mai 1778. Cet écrivain et philosophe qui a marqué le 18e siècle a clairement reconnu la grandeur du prophète à travers ses mots. Sa religion est sage, sévère, chaste et humaine. Sage puisqu'elle ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. Sévère puisqu'elle défend les jeux de hasard, le vin et les liqueurs fortes et qu'elle ordonne la prière 5 fois par jour. Chaste puisqu'elle réduit à 4 femmes ce nom prodigieux d'épouse. Humaine puisqu'elle ordonne l'aumône bien plus rigoureusement que le voyage de la Mecque. Ajoutez à tous ces caractères de vérité la tolérance. Croire un seul Dieu tout-puissant était le seul dogme. Une religion aussi pure, aussi belle que celle des lettrés chinois. Je vais appeler la dame qui fait nos bassins, je vais en commander pour toi aussi. Ma soeur, non, non. Je te comprends, nous on m'amène en Boulaka. Non, non. Ici, ça m'intéresse. Ah. Moi, c'est pour la mosquée qui m'intéresse. En nous, on met en nous la lune. Fais un effort. Fais un groupe pour la bombe, où qu'elle est. Donc, on va porter la suite. On va nous les dire en nous la peau, nous font, nous font. Fais un effort. Même si c'est tout petit peu, on faut faire un effort parce que c'est très important. Ma soeur, oui. Il y a femme. Ça qu'on va faire, on verra. Fais un effort. Même si tu trouves 10 euros, 20 euros, c'est bon. Eh Allah. Allez, Allah, à une madame. Eh Allah, tu n'as pas papa. On est là, ma casa. Puis après, je vais te faire ça. Pour que ça va. Après, bien mieux. On est mieux. Après, bien mieux, sera qu'à tout jardin.
misiro ni mo isira o misiro o bra ji wala ikale ki ama lolo o bra ji tete ka di ma ali di ma se misiro ila ba de muso ba na sa mami foni ko misiri ba ba lora ba ima ko tapira ai ma ko worira ka kulani jido fini ka da si kerembla misiri ko nyalo misiri kra misiri ko ni mo isira ji mla la o pombe jira o kulani re kra mo ka misiri ko o bra ji ko tete kra mo ma ka buru ko wala sira ka tu jaria ai donc a flana mie ika de braka mauro ni kasa ni de sura ti krana o ne mara sima mo mo bela de braka mauro ka ten kara na ma ya sira ka ni te lo J'ai une enveloppe, un abonnant pour ma derrière. Il y a une dame à traduire ce bras. Là, d'accord. On a fait Antonio lui, un broquignon là. Cano Cassa. Voilà, il a cherché à Katimi Menga. Pas traduire ce bras. Pas y a femme. C'est Antje, Anne Baraji. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier.